Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en ligne pour vous montrer la nouvelle mise à jour qu'on a eue aujourd'hui. Donc voilà la nouvelle voiture qu'on a eue déjà, c'est la seule. Donc je vais vous montrer sur le téléphone bien sûr, on va faire toutes les listes comme ça, vous avez la preuve devant vous. Donc on va aller chez Biniz, on sait jamais mais il n'y a rien. Voilà, c'est les anciens véhicules qu'on a eu déjà. On va aller dans le véhicule transport, on va aller ici. Bah voilà, c'est la voiture qu'on a, la GP1. Donc vitesse maximum ça va, accélération ça va, freinage bof, et traction ça va encore. Donc voilà la voiture. Après on va aller plus bas pour vous montrer, on sait jamais, il n'y a rien. Voilà, on va aller aussi au niveau de la base militaire, véhicule militaire, il n'y a pas grand chose. Je suis un peu déçu, je pensais qu'il y aura plus de véhicules que ça. Et sérieusement il n'y a rien du tout, donc je suis un peu déçu. Juste, j'ai vu que sur la map il y a des nouvelles choses, donc il y a ça, les volants en plus. Donc c'est des courses spéciales en fait, avec les véhicules spéciaux. Donc là, ici, donc c'est en double RP, donc il faudra tester. Donc ça change entre deux, les images tout à l'heure c'était, quand j'avais regardé vite fait, c'était le quad. Maintenant c'est la voiture avec le gros missile derrière, la voiture fusée, là, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Mais si j'oublie des choses dans la vidéo, bah dites-moi le dans les commentaires. Si je suis passé à côté de quelque chose, on sait jamais. Mais moi, je pense pas. Donc on va regarder au niveau du véhicule. Hop, on va réparer. Blindage à fond, freinage à fond, pare-choc avant. Oh déjà, ça fait bizarre ça. Ouais. Au niveau des pare-chocs, ils sont pas vraiment terribles, mais j'aime pas trop. Il y a celui-là. Je trouve bizarre en fait la forme du pare-choc comme ça. Là, ça fait une bouche en fait. Elle est pas vraiment. Sérieusement, j'ai envie de vous dire, la voiture elle est pas vraiment belle en fait quand on regarde. Ça fait une tête de bizarre d'un. Je vois une forme bizarre. J'ai même celui-là encore, pare-choc arrière. Ça change pas grand chose, j'ai envie de vous dire. Réglage du moteur. Mettez le fond. De toute façon, même si je peux pas custom, c'est pas grave. C'est quoi en fait? Je vais regarder. Échappement. D'accord. Ah oui, d'accord. Là, il y en a 4 au milieu, vous voyez. Hop. Là, c'est les deux en haut. Alors là comme ça, 4 comme ça aussi, là ça revient en bas. Ah, on peut avoir en bas au milieu, ça c'est intéressant, regardez, vous en avez 4 en bas, où c'est en train de fumer, et 4 au milieu en plus, ça c'est le bordel. Là on peut avoir en haut et en bas, voilà, on peut avoir un peu plus. Ah ça c'est stylé par contre, c'est intéressant, moi j'adore, c'est ça. Non ça c'est pas intéressant. Ça c'est les suppléments sur attache de capot. C'est... Je sais pas si ça vaut le coup, moi je l'aimais pas. Ça c'était quoi en fait? Les phares, ok. Ah ouais, si on veut des phares dessus. Ouais, l'avant de la voiture en fait elle est pas vraiment terrible parce qu'on dirait un truc de... Je sais pas, ça fait des phares bizarres. Après c'est le véhicule qui est comme ça, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, je vais laisser ça comme ça. Ça c'est le klaxon, éclairage. On va pas mettre les néons pour l'instant, on va attendre un peu. Rétroviseur. Bon, on va pas vraiment trop la différence. Je vais laisser comme ça. Plaque. Ah, c'est cool, c'est le prendre directement. D'habitude, c'est le prendre, là, c'est le prendre. Je comprends, hein, c'est pas grave. Capot arrière. Ouais, c'est pour voir au niveau du moteur derrière. Mais c'est la peinture. Couleur, tac, on va mettre. Ça va, ça passe encore, j'ai envie de dire. Métallisé.
Ah, par contre, le jaune, enfin, je l'enlève parce que c'est moche. on va prendre. J'ai tellement tous les couleurs dans mon garage en fait que je sais plus quoi faire comme véhicule. Au niveau des couleurs, je suis un peu perdu. Je crois que je vais pas me prendre la tête, je vais mettre or direct. Crew, non. Ça passe encore en fait de la couleur comme ça. Ouais, quoique. Ouais, métallisé. Après, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez du véhicule. Si vous pensez qu'il est bien, c'est pas bien, c'est. Voilà. J'ai envie de vous dire. Si je pars sur. Je sais qu'en français, on peut faire couleur secondaire, c'est ça. Non, mais attendez, je regarde un truc vite fait. Ça, c'est métallisé. Je vais venir ici et je vais prendre une couleur rouge sang. J'ai vu tout à l'heure qui est pas mal. Oh, celui-là... Ouais, celui-là, il est classe aussi. Donc, couleur secondaire, ça va enlever du coup. Les fameux. On a des en quoi en fait. Enfin, ça tombe pareil. C'est du rouge, je crois qu'on avait fait. J'ai même plus en fait, j'ai même pas fait. C'est rouge fraise qu'on avait fait. Ah, attendez, j'ai un doute. Ouais, ça doit être ça parce que c'est la couleur. Ouais. Ouais, ça se voit pas trop, j'ai envie de dire. Finition à l'intérieur. Je pense pas que le véhicule va chez Beniz. On va aller faire un petit tour vite fait. Ah, il y a bien deux places. Je croyais qu'il y avait qu'une seule place en fait. Parce que ça faisait bizarre le côté. Finition, vendre, non. Par contre, j'ai pas vu peinture. Emblème du crew, j'ai pas vu ça. Ou c'est après peut-être. Aileron. Voilà. Ouais, les ronds, c'est pareil, c'est pas vraiment terrible. Ouais, voilà, c'est comme ça sinon. Transmission. Roues. Ouais, les roues, c'est pas. Non, pourquoi jouer autre game? Pas grand chose, tout. Je viens de cramer. De toute façon, c'est les mêmes, mais je regarde. Même si ça fait pas terrible, je m'en fous, tant que ça fait bien, ça change un peu que ceux qu'on a eu sur la voiture principale. Je vais mettre cela du coup. Pneu, apparence du pneu, tac. J'ai plus de thunes. fenêtre, ça c'est pas grave, je veux faire des activités en plus. Non, il n'y a pas emblème du coup. On va aller voir quand même chez Beniz, on va faire la route pour tester au même temps le véhicule. Oh, j'ai pas mis les. Oh, déjà, le son, je kiffe. Attendez, je vais tester un truc parce que des fois. Ah, là, c'est ce que je vois. Oui, c'est fait stylé les flammes derrière. Je sais pas si ça va refaire. Voilà. Ça va, au niveau du custom en fait elle est mieux que pour les custom de la voiture. Par contre ça tire pas trop. Elle glisse pas trop la voiture. Ouais. Elle glisse pas trop la voiture donc même en mettant le frein à main ça glisse pas vraiment. C'est un peu dommage. Je pensais que vraiment qu'elle arrêtait vraiment plus voilà stylé on va dire entre guillemets. Mais là je mets des coups de frein à main, elle glisse pas du tout la voiture. Au moins que. Ah non, elle glisse pas vraiment la voiture. Bref, après voilà, c'était. C'est vraiment pas mal. Déjà, on a un véhicule en plus, ça change. On va aller voir quand même chez Beniz, mais je pense pas. Oups, désolé monsieur. Je pense pas qu'il va la prendre, mais bon. Voilà, je m'en doutais un peu. Je voulais voir quand même, parce que là, on sait jamais. Donc, du coup, voilà, les amis, bah, dites-moi ce que vous en pensez de la nouvelle mise à jour qu'on a eue. Je vais vous montrer en vidéo les activités qu'on a eues en plus. Et je le ferai aussi avec le team d'armée, pourquoi pas. Donc du coup voilà, bah donnez votre avis dans les commentaires sur la voiture et bah ce que vous en pensez tout simplement. Si j'ai loupé des choses, dites-moi les dans les commentaires aussi. Ça peut être pas mal, comme ça je peux savoir. Et moi je vous dis à très vite pour un game à tous, c'est ciao bye bye, salut tout le monde.